Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Et bonjour à toutes. Bonjour Sylviane. Bon, je crois que j'ai un petit bug sur mon code hôtesse là, sur mon truc, mais c'est pas très très grave. Hop, je déplace un objet. Bonjour Sandrine. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, j'ai rencontré Sandrine ce week-end. Oui, je sais, Sylviane, Véronique, vous allez me dire que vous êtes trop loin et que ça nous ferait plaisir de se voir. Oui, je sais. Donc voilà. Mais ce week-end, j'étais sur le salon Faire sur Scrap. Dites-moi, tout est OK? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Bonjour, bonjour. Salut Harmonie. Sur le salon, vous avez eu la joie et le privilège de rencontrer une partie, pas toute, une partie de mon équipe. Donc, il y avait Harmonie, il y avait Claudine qui sur Facebook, c'est Colo Austral. Il y avait Nelly et Stéphanie. Donc, on était toutes les cinq. Il y a eu un moment, ma soeur qui est venue donner un coup de main. J'ai plus de voix. Vous voyez, sur les salons, c'est difficile parce qu'il y a la musique, elle est forte. En atelier, on crie. Donc, voilà. Et j'étais ravie de faire votre connaissance, ravie de vous retrouver en présentiel, de découvrir de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas notre loisir, de faire partager ma passion. J'ai animé tous les après-midi, j'ai animé l'atelier Moonboard. Oui, vous avez compris, j'adore les Moonboards. Bon, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre aussi? Si, non, Claudine, tu n'as pas raté. Donc déjà, je vais vous montrer aussi tout ce que Claudine m'a offert. Je vais mettre Claudine à l'honneur. Regardez ce que les filles m'ont offert. Une petite tortue. Alors en plus, c'était une très belle action. C'est pas les filles d'ailleurs, c'est Claudine qui me l'a offert. C'est pas toi, Claudine de Guette. C'est Claudine de mon équipe Colostral qui me l'a offert. Nous étions en face le stand des blouses roses. Elles avaient un stand pendant 4 jours. Et elles faisaient des choses très très belles. Et Claudine m'a offert cette nouvelle petite tortue. Alors moi, j'avais déjà celle-là avec son petit sac à dos. Je vais vous la montrer, que m'avait offert à Noël. Donc, ça sera sa petite sœur. M'avait offert Harmonie. Elle est toujours à côté de moi. Je la garde. Alors, elle est rigolote, celle-là, parce qu'elle a un petit sac à dos et un petit chapeau. Et maintenant, ben, elles sont deux. Tac, tac, tac. Voilà, ça sera l'équipe des petites tortues. Voilà pour les petits cadeaux que j'ai reçus. Vous êtes des amours. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh bien, on a papoté, on a scrappé, on a rencontré des gens. C'était vraiment génial, génial. Coucou Annick, coucou Chris. Qu'est-ce que je lis un peu vos commentaires. Oui, elles sont trop mignonnes, ces petites tortues en crochet, j'adore. Donc, sur le stand, la carte qui a été très très plébiscitée et surtout les techniques, on m'a parlé de techniques, les gens avaient envie de techniques, de comment on fait l'encre, l'aquarelle, le papier. Donc je vous en avais déjà fait, mais on va faire celle-là aujourd'hui. Je vous ai fait un lien ce matin sur mon site internet pour que vous ayez toutes les affiches. Hier, je vous avais fait, ça m'avait donné beaucoup de travail, toutes les petites photos pour les promotions. Alors que je vous montre, je sais pas,
Est-ce que j'ai fait une affiche pour les promotions? Je sais plus. C'est pas très très grave non plus. Vous savez qu'elles sont là. Si, partagez. Il va y avoir la braderie le 24 juin à Canet. Ça sera notre première braderie de l'association. Les inscriptions, c'est Christine. @latortuscrap.fr, donc partagez. D'ailleurs, hop, j'ai commencé sur les chapeaux de roue. Et je ne me suis pas présentée. Hop. J'ai beaucoup trop de fichiers. J'ai beaucoup trop de fichiers. Voilà. Donc, je suis Christine, la tortue scrap sur les réseaux et dans la vie aussi. Maintenant, j'ai plein de petites tortues avec moi. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon blog, mon Facebook, mon YouTube ou mon Instagram. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Je suis toutes les semaines, oui, aujourd'hui exceptionnellement. C'est mardi, mais normalement c'est le mercredi en live. J'ai un rendez-vous demain, j'avais complètement zappé de vous le dire. Et comme la semaine dernière, il y avait le salon, je ne suis pas venue et vous m'avez manqué. J'ai dit, ben, tant pis, je programme mardi. Coucou Sandrine, coucou Isabelle, coucou Martine. Regardez une autre partie de mon équipe, Martine. Coucou Chantal. Alors Chantal est la gagnante. Elle a retrouvé 5 couleurs qui partaient, même presque 6 parce qu'il y avait une de ses couleurs préférées qui s'en va. Et donc c'est elle qui a eu le plus grand nombre de couleurs correctes qui s'en vont. Vous avez vu toutes ces couleurs qui s'en vont. Et vous allez bientôt voir, je prépare les publications. Les nouvelles qui arrivent, elles sont juste magnifiques. Comme toujours, bah, même si ça fait depuis mercredi que je pleure, baie des Bermudes, mais je m'en fiche, je continuerai à l'utiliser. Baie des Bermudes, c'est baie des Bermudes. On aime les Bermudes, on... voilà. Allez, je vous montre aussi ce que j'ai reçu de Claudine. Regardez, Claudine m'a gâté des petites boîtes. Alors, Charlotte est passée hier, j'ai oublié de lui donner parce que je voulais d'abord vous les montrer. Des petites boîtes très très belles d'ailleurs, un très beau tuto. Bravo Claudine. Donc pour moi et Charlotte. Et regarde, on ne les a pas ouverts encore. On attend lundi de Pâques pour les cacher et les ouvrir. Et tu ne t'es pas trompée, effectivement. Et des toutes petites boîtes comme ça pour les garçons avec écrit Joyeuse Pâques. Merci ma Claudine, tu m'as gâtée. Je suis très contente. Oui, j'ai vu que tu avais passé ta commande Claudine et nous pouvons la féliciter. Tu as mis le code hôtesse. Bravo. N'oubliez pas, oui, n'oubliez pas de mettre le code hôtesse. Avec le code hôtesse, vous recevrez des cadeaux. J'ai vu passer quelques commandes ce matin, mais j'étais très occupée à préparer et à continuer à ranger. Si vous avez vu l'atelier, c'était Bagdad. Un merci tout particulier aussi à Sylviane. Regardez cette belle carte. Je ne montre pas sur le plan de travail parce que j'ai déjà tout installé. Et voilà. Donc Sylviane, merci beaucoup. Nathalie Sénéchal du 62. Bonjour Nathalie. Et merci Sylviane, cette belle carte qui me fait très plaisir. Toujours avec de l'or, parce que l'or, j'adore. Ah, et Claudine, elle avait mis une belle carte aussi. Voilà. Merci Claudine. Avec des petits papillons. J'adore, j'adore. Et le papier, vous ne le voyez pas, mais il est embossé. Merci les filles, vous me gâtez. Martine, tu résistes. C'est bien, Martine, je suis fière de toi. Il y a le nouveau catalogue qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'enflamme sur les précommandes ou on s'enflamme sur les liquidations? Nous, les démonstratrices, à partir de hier, nous avions droit de commander une sélection. Pas tout le catalogue. Pas tout le catalogue. Non, on va se maîtriser. Pas tout le catalogue, s'il vous plaît. On a eu le droit de commander une sélection de produits pour pouvoir ben, les travailler en avant-première et vous les montrer, bien sûr, pour celles qui les montrent. Ou comme Martine, juste le plaisir d'être la brunch, d'avoir les nouveaux produits. Martine, avec ta petite tête, avec la... tu tires la langue, tu vas me faire rire encore plus. C'est vrai, Claudine, c'est la première fois, donc tu auras un cadeau supplémentaire. Je te ferai une carte toute particulière, je te marquerai. Bravo, code hôtesse, réussi. Tu attends le nouveau catalogue? Ben, moi, j'ai eu la joie, pareil, mais j'ai été gâtée ce week-end, si vous saviez, les filles, comme elles m'ont gâtée. J'ai eu la joie et le privilège, regardez, il est tout relié. Tac, tac, je peux pas vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer la couverture.
Et les plastifiés et tout, ben, c'est la classe. Hein. C'est la classe à Dallas. C'est Harmonie. Merci Harmonie qui me l'a imprimé et qui m'en a fait cadeau. Il y a des choses comme ça dans la vie, mais qui égayent ma journée. Un catalogue et je suis de bonne humeur. Il est magnifique, il y a de belles choses. On va travailler encore de nouvelles créations, de nouveaux produits. Les couleurs qui s'en vont, ben on va les pleurer un petit peu, mais pas trop longtemps, parce que les nouvelles, elles sont géniales. Donc Chantal, comme tu as gagné, tu peux me contacter. Je t'ai envoyé un mail, mais je crois que j'ai vu passer dans mes notifications, mais j'ai pas pris le temps. Elle choisit. Et il y a aussi, il n'y a pas que Chantal qui a gagné, je voulais le dire aussi. Il y a Monique. Monique Pourté. Mais Monique, elle était démonstratrice dans mon équipe. C'est un peu de la triche. Non. Oui, je vous taquine. Je vous taquine. Les précommandes, Isabelle, tu as le temps. C'est tout ce mois-ci. Pour nous les démonstratrices, pour toutes celles qui veulent aussi intégrer cette équipe de dingue, on s'est régalé hein, ce week-end, on s'est régalé. Et je ne vais pas vous faire râler plus longtemps, les filles, celles qui sont loin, on fait notre première rencontre de lignée. On ne sait jamais s'il y a des filles sur le secteur qui veulent nous rejoindre. On fait notre première rencontre de lignée hors secteur, c'est-à-dire que je monte à Paris. Le 15 avril, je vais rencontrer Martine que j'ai jamais vue. Je vais rencontrer Victoria que j'ai. Si Victoria elle est venue une fois à la maison. Il y a Sophie, il y a Elodie, bon, qui est mon amie. On va se retrouver, celles qui sont de Paris et le secteur. Victoria, elle est de Bretagne. On fait notre première rencontre. Les filles du secteur de chez nous n'ont pas pu venir parce que c'était compliqué. Mais. Voilà, c'est un premier saut pour moi en tant que marraine de personnes un peu loin. Parce que vous voyez, moi d'habitude, j'avais des filles qui étaient vraiment autour de moi. Nelly est à Pollan, c'est à, comment vous dire, c'est là où habite ma mère. Donc, c'est à 10 minutes. Claudine, elle est encore plus près, elle est à 5 minutes. Et alors, Harmonie, elle habite dans le village à côté. Isabelle, que je viens de voir passer, elle est juste dans le département à côté. J'en ai pour 45 minutes, 1 heure pour aller la voir. C'est pas. Voilà, Et Caroline, elle est à Clermont-Leyroux. Donc voilà, d'habitude, on était dans un petit mouchoir de poche. On pouvait se retrouver facilement. Bon, il y a Sophie qui est dans l'Aude aussi. Mais voilà, là, c'est la première fois que j'ai des filleuls depuis le Covid et je vais aller les voir. Allez, on passe aux mains parce que sinon, je vous raconterai ma vie. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Oui, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. De te revoir, Martine, de t'embrasser vraiment. Parce que vraiment, ce week-end en salon, c'était ça le kiff, c'était de voir les gens, de les toucher, de les embrasser. Non, j'ai pas embrassé des inconnus, mais de pouvoir communiquer, échanger. Et la prochaine étape, je vois Claudine qui dit je suis trop loin. Je crois que la prochaine étape, on en parle en secret. Avec Catherine, elle n'arrête pas. Mais je crois qu'il va falloir que je vienne vers votre secteur, là. Ma petite Claudine, ma petite Sylviane, Catherine. Un petit voyage, ça forme la jeunesse. Donc voilà, je viendrai de ce côté-là. Donc le salon s'est bien passé. On a du travail en perspective. Vous avez accueilli notre stand, mais vraiment avec bienveillance et gentillesse et des messages. On a déjà des messages sur nos sites internet, sur nos. C'est vraiment. Voilà, je suis très émue. Les filles sont ravies. On a vraiment. C'était très, 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 très bien. Ah, il y a Catel aussi qui est à Lunel. Il y a Stéphanie qui est à Lunel. J'oubliais de les citer, mes petites tortues. Oh là là, j'en oublie tellement j'en ai maintenant. Allez, je vous mets la création. Il y a toujours ma tête là. Maintenant, je fais mon clown là. Est-ce qu'on y voit assez? C'est un peu à contre-jour. Dites-moi, est-ce que je luminose ou pas? J'ai une fenêtre qui est juste là et c'est pas facile. J'ai des petits contre-jours. Dites-moi si c'est OK. Mais oui, je viens quand je veux. Mais Isabelle, j'ai une activité de dingue, un planning de fou, mais toi aussi, tu viens quand tu veux. Coucou Claudine, regarde Claudine, elle est là Claudine. Bonjour ma Claudine, je suis là. On est tard.
Merci. Donc, on va pas refaire la carte en entier parce que sinon, on va passer l'après-midi à sécher, aquareller. Je vais en faire qu'un petit bout, mais je vais vous montrer la technique. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben là, j'ai utilisé le papier aquarelle. J'ai utilisé les encres liquides. Vous savez que je les adore, les encres liquides. Pourquoi je vous ai toujours acheté vos encres liquides? Un, vous pouvez recharger. Deux, vous pouvez vous en servir pour aquareller. J'ai choisi, alors on va pas le dire en allemand, les rhinos, on va les appeler les rhinos. Moi, pourquoi j'ai pris le set de tampons en allemand, me direz-vous? Parce que quitte à avoir des mots que je ne comprends pas, oui, d'accord, l'anglais, je comprends un petit peu, mais j'en ai déjà des tampons en anglais. Le seul mot qui m'intéressait dans les deux sets de tampons, c'était Hakuna Matata. Donc, moi, ce qui me plaisait, c'était les petits personnages. Donc, je l'ai pris en allemand. Voilà, c'était mon choix. Ce sont les exclusivités en ligne. Vous retrouvez tout ça en ligne. Bien sûr, vous pouvez les commander en passant par moi si vous le souhaitez. Mais vous les retrouverez en ligne jusqu'à épuisement des stocks. Donc, les petits rhinos. J'ai utilisé du papier de masquage, surtout. J'en ai eu bien besoin. Parce que c'est ça le but. Je regarde, je vois pas vos commentaires. Merci Christelle. Je les lirai après, vos commentaires. On s'est régalé, Claudie. Je les lirai après, puis je commence à répondre. Ouais, voilà, on s'est régalé, on s'est régalé. C'est épuisant, fatigant, mais alors c'est intense de partage, de rencontre. Voilà. Donc, on va utiliser la Stazone, parce que c'est de l'encre indélébile, c'est de l'encre à alcool, donc elle s'efface pas. On peut la laisser, on prend le temps de la laisser sécher. Donc, j'ai déjà tamponné mes herbes. Et j'ai découpé mes petits caches, mes petits masques. Alors, si ça ne veut pas, regardez que j'ai des beaux ongles, que ma fille me les a refaits hier soir. J'ai eu des ongles tout mochasses. Tu regarderas le replay, Chantal. Je t'embrasse et on s'appelle ou on se met un petit message parce que tu es la gagnante des incolores, des couleurs. Pas des incolores, des couleurs. Oui, il va y avoir ça. Je suis en train de préparer le club incolore. Comme l'année dernière et l'année d'avant. Le club nouvelle couleur, je me tâte si ça vous intéresse. Donc, mettez-moi des commentaires. Est-ce que vous avez envie de découvrir les nouvelles couleurs et d'adhérer à un club? J'ai beaucoup réfléchi aussi. Je me dis que peut-être le club des blends. Des feutres à alcool parce que vous le dites tout le temps, je sais pas trop m'en servir, je sais pas trop. Donc ça serait peut-être l'occasion de faire un club de blends. Ah oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé un mail. Donc, oh mince, j'y suis allée comme une bourrine. Ce que j'ai dit, tout le salon, je le fais là à l'instant. Alors attendez, j'attrape un tapis nettoyant. Qui peuvent être encore rangés là. C'est de l'encre Stazone, ça va pas partir complètement, mais oh non, tout à fait, ça va pas partir du tout, du tout. Donc il est où mon épreuve Stazone? Il doit être vous voyez, même moi je fais des boulettes. Alors, encre Stazone, nettoyant Stazone, hein, ça c'est obligé. Après, vous pouvez y mettre un petit coup de nettoyant ordinaire pour enlever le gras du nettoyant Stazone, mais c'est mieux. Regardez si c'est impeccable. C'est mieux si on le fait avec le nettoyant Stazone. Donc, j'ai répété tout le week-end. On tapote, on tapote, on est délicat, on tapote. Parce que je vous le fais jamais en vidéo. Mais si vous appuyez votre tampon dans l'encreur, vous avez de l'encre partout et même autour de votre tampon. Donc, bon, avec le tapis Stazone, il est dur, donc ça va. Mais comme quoi, tout à l'heure, je suis bien arrivée en foutre partout. Tout ce qui se retrouve sur le caoutchouc se retrouve sur votre création. Allez, donc j'ai masqué les feuillages avec les caches et je vais mettre ce petit personnage ici dans les feuillages. Je le trouve tellement mimi.
avec son petit air malicieux. Voilà. Je vais déplacer. Oh, j'aurais pas dû enlever celui-ci, mais c'est pas grave. Je vais le remettre là. À chaque fois, si on veut que les feuilles soient derrière les personnages, que le personnage soit derrière les feuilles, il faut tamponner. Donc, en première intention, on tamponne ce qui va être devant. Si j'avais mis les rhinos en premier, les feuilles auraient été derrière. C'est aussi faisable. Tu vois, on pourrait faire un essai. C'est aussi faisable de mettre des feuillages derrière. Comme si. Là, si je voulais mettre l'arbre en tamponnage, je cacherais le rhino et celui-ci qui arrive pour lui dire un petit bisou. Voilà. Oui, j'ai trop, 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 trop parlé. C'était génial. Un gros bisou, Marjorie. J'étais contente de te voir ce week-end. Mais vraiment, j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis super. Plus d'une amie que j'avais pas vue depuis super longtemps. C'était trop bien. Donc voilà, si vous mettez les feuillages en premier, vous les cachez pour avoir les petits personnages qui sont derrière. Si vous les voulez derrière, il faut cacher le rhino, il faut le mettre en premier et mettre les feuillages après. Les arbres, comme ce sont des découpes, on les a rajoutés après. Donc, et là, on pourrait faire aussi le fond, hein. On va voir si on s'enflamme et si on fait autre chose. Donc j'ai pris mes aquapainters. J'aime bien. Et on va travailler vraiment. On va travailler à sec, c'est-à-dire qu'on ne va pas mouiller le papier. Et on va mettre une première couleur rapidement. On va la laisser sécher. Mais on ne va pas en mettre de partout. Là, je fais les feuillages. On va laisser un peu de blanc, même sur les feuillages. Et quand elle sera sèche, je reviendrai et je mettrai une autre couleur. Vraiment, vous voyez, j'y vais. Je fais pas attention si je dépasse. C'est pas grave si je dépasse, puisque je fais un peu le bord en bas. Vraiment, voilà. Toujours un sopalin. Je vais attaquer le petit rhino avec un jus très clair de gris. Mais pareil, je ne vais pas le faire en entier. Je vais vraiment faire un jus très très clair. Et pas complètement, et je reviendrai par-dessus après, pareil ici. J'évite la corne parce qu'elle est très très blanche, la corne de rhinocéros, et je vais même pas jusqu'à la totalité du corps. Voilà, c'est vraiment un premier jus très clair. Et je vais foncer au fur et à mesure. Là, je vais changer de couleur du vert, comme ça doit être sec. J'ai même un pinceau avec une pointe plus fine. Et je vais prendre un bout de une chute de papier aquarelle. Et je vais faire deux. Alors là, par contre, je vais mouiller le papier. Et je vais le faire maintenant pour que ça ait le temps de sécher. Je vais faire des aplats. Alors, je vais faire une démarcation. Je vais faire des aplats. Vous avez vu, j'ai pris le gros pinceau. Je vais faire des aplats de vert pour faire le feuillage de l'arbre. Vraiment, je laisse comme ça là. Je fais pas attention. Voilà. Et je vais faire aussi des aplats de marron.
Comme ça, je ferai des découpes dedans. Et ça sera très très bien. Voilà, ça c'est, je laisse sécher. Vous voyez, c'est pour ça. Ça va être vraiment pour faire mes découpes. Je sais que ça va être dans les mêmes tonalités. Je les mets de côté. Ça va sécher tranquillou. J'ai pas besoin de le sécher au pistolet. Si j'ai envie d'aller plus vite, je le sèche au pistolet. Et oui, je vois bien que vous attendez avec impatience. Ah non, toujours, toujours quand on y va avec l'eau comme ça, vraiment le papier aquarelle, c'est indispensable. Si vous faites avec du papier ordinaire, vous obtiendrez vraiment pas le résultat que vous souhaitez. Et donc, vous voyez là, je vais passer sur un peu plus foncé. Je vais rajouter parce que j'y suis allée vraiment claire. Et je passe entre les feuillages avec une couleur un peu foncée. Mais après, chacun son inspiration de la colorisation. Moi, je ne suis pas une aquarelliste. Hein. Je vous montre des petits trucs là, que moi, j'aime bien. Ça fait un beau rendu. Hein. Un bon papier aquarelle. Hein. Des belles encres ou de l'aquarelle, si vous avez. Moi, des fois, je travaille vraiment avec l'aquarelle. J'en ai quelques-unes. Je les aime bien. Et voilà, regardez là, je vais foncer un petit peu parce que je trouve que ça fait un peu trop vert. La savane, c'est pas aussi vert. Voilà, donc j'ai fait des petits dégradés de couleurs. On va reprendre celui-ci. J'ai un pinceau à réserve d'eau, mais j'ai un pot d'eau quand même pour rincer mon pinceau entre chaque couleur. Je vais augmenter la couleur du gris. Je vais faire un jus un petit peu plus foncé, comme un aquarelle. Je vais faire un jus un petit peu plus foncé. Et je vais choisir que la lumière, elle vienne de là. Ça, c'est important de se dire d'où elle vient la lumière, il paraît. Bon, je ne suis pas très douée avec ça. La lumière, elle peut venir de n'importe où. Et je vais en rajouter. Pareil pour ici. Je vais refoncer juste un côté. Vous voyez, je fonce même pas là, un petit peu le dos. Je fonce pas tout du rhino. Je vais laisser si j'en ai trop mis. Je gomme avec mon pinceau. Voilà. Vous voyez, ça commence à donner une petite ombre. Et c'est ce qui va faire que ça donne du relief sur le. Là, c'est peut-être un peu trop à mon goût, un peu trop plat. Donc, hop, avec l'eau, j'enlève la démarcation tant que c'est pas sec. Et voilà. Ça fait moins marqué. Et on continue. Soit on fonce, soit. Hop. Là, sur les herbes, vraiment, je suis vraiment venue, même en dehors du dessin. Le dessin noir fait les limites. Mais après, je suis devenue. On pourrait faire un aplat dans les tons bleus aussi, si on voulait. Moi, j'ai choisi que ça reste très clair. Que ça faisait un ciel très, très lumineux. D'accord, Sandrine. Bon app. Bonjour, Annie. Et bonjour, Annie. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Donc, voilà ce que vous allez faire au fur et à mesure. J'attends un peu que ça sèche parce que vous voyez, on ne sèche pas entre chaque. Et je vais refaire. Et là, je vais peut-être prendre le gris dans son intégralité et je vais finir de foncer mon petit personnage là. Je vais remettre le gris si je le retrouve.
Vous le voyez pas? Ah, il est là. Donc j'avais pris ardoise bourgeoise. Je vais mettre vraiment pur. Je vais pratiquement pas diluer. Pour faire juste le contour du tour de la corne. Soit très foncé. Peut-être même la petite oreille là ou la queue. Pour vraiment donner des petits côtés. Après, on peut faire un petit relief tout le tour avec vraiment un jus très clair. Que j'avais pas fait sur l'autre d'ailleurs. Donc, tour, ça donne une ombre au personnage. Ça donne le fond, l'ambiance. Et je peux même, si je m'enflamme, faire attention. Oui, voilà. Gouttelettes. J'aurais dû attendre que ça sèche. Parce que sinon, elles vont se disperser dans le corps du. Oui, j'aime bien mettre des taches. Bon, c'était pas obligatoire, les taches. Coucou Domi! Ça fait joli l'ombrage, ça apporte un petit quelque chose, ça donne du relief aquarelle, c'est pas mal, je trouve. On va laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps, notre aplat, là, il a séché. Et donc, il est exactement dans les mêmes. Teinte, on va découper les arbres. Seulement Christine, elle n'a pas pensé à. Je sais pas où j'ai mis les dice. J'ai pas sorti les dice. Donc, hop, vous voyez. On va voir si on lui met un petit arbre là, à celui-ci. Je vais chercher les dice avec vous. Les ombrages, ça donne de suite un peu de matière, un peu de relief. Je vais enlever ma tête là. Capture d'écran. Hop. Vous voyez là, parce que je vais partir là chercher. Non, je laisse. Comme ça, vous me voyez dans mon atelier en train de chercher. Qu'est-ce qu'elle en a fait, la dame, de ces rhinocéros? Ben, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien du tout. Elle n'a même pas prévu de. J'étais persuadée que je les avais rangés dans la boîte comme une bonne élève. Que je suis d'habitude et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je regarde vite s'ils sont pas par là, mais normalement je vais pas les chercher maintenant en live, c'est pas judicieux, mais je vais finir là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Bon, j'ai déjà un petit arbre. Un petit baobab. Là, j'en découperai d'autres dans celui-ci. Et vous verrez le finish. Je vais peut-être raccourcir ma carte. Parce que les arbres, c'est un peu. Sont bas de. Vous voyez, là, je rajouterai le. Pour qu'on voit que c'est. Que l'arbre, il passe derrière. Hein, parce qu'ils ont des petites tiges courtes. Ils sont bas de plafond, les baobabs. Donc je vais peut-être raccourcir la carte que j'avais fait. Je vais enlever un peu de. Oui, c'est bien. Je
Je vais enlever un centimètre. Ça, après, vous vous arrangez, vous recadrez vos cartes comme vous en avez envie. Hein. Vous les faites grandes, petites. Hop. Ah, mais si je range le massicot. Donc, je vais mettre un petit liseré de cette couleur d'ailleurs qui va partir. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi cette jolie couleur que j'adorais? C'est Douce Suède. Mais on a un joli marron qui va arriver, ça va pas être mal. Je vous le dis. Je vais vous mettre toutes les couleurs. Vous allez voir, vous allez adorer les nouvelles in color. Alors ça, c'est trop grand. Les nouvelles in color sont magnifiques. Hein. Et oui, c'est ça, Douce Suède. C'est Douce Suède. J'aimais beaucoup, moi, ce Douce Suède. Bah, depuis qu'il nous avait enlevé Pépite de chocolat, je trouvais que c'était un marron qui était assez sympa. Colle. Donc voilà. Hop. Les exclusivités en ligne battent leur plein. Pour celles qui ne sont pas allées jeter un œil, il y avait jusqu'à moins 60%. J'ai passé une commande groupée hier pour celles qui le souhaitaient, qui avaient peur que ça soit compliqué sur la boutique. Sinon, vous pouvez aller sur la boutique en ligne, vous avez mon code hôtesse. Et sinon, vous pouvez me rappeler si vous voulez que je revalide des choses pour vous. C'est avec plaisir. Oh, je vais le mettre. On n'est pas forcément obligé de lui mettre... Je t'embrasse bien fort, ma Sandrine, maintenant que je sais qui se cache derrière ce petit macaron. Ça me fait trop plaisir. Sandrine, en plus, m'a mis un commentaire suite à notre... Et on a oublié de se faire une photo. J'étais vraiment très... Oui, j'ai pas fait beaucoup de photos. Moi, je suis dans... Quand je suis en salon aussi, je suis dans le moment présent. Après, il y a des personnes qui ont fait des photos pour moi. Je les remercie. Je pense à Dom. Et je suis pas très... pas très présente à faire des photos machin, je suis très dans le moment présent. Et vous voyez là, je fais semblant que l'arbre il continue derrière, donc je fonce comme ça. Je vais laisser et je rajouterai du feuillage ou pas. Je vais rajouter un petit Hakuna Matata. Parce que ça, à coup d'un matin, je dois avoir une chute de papier qui est là. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. Ah, moi, je suis très, très, très fan de Disney. Et le Roi Lion, voilà quoi. Voilà quoi. Qui n'aime pas le Roi Lion? Oh, je fais les mêmes boulettes que j'ai dit à mes participantes ce week-end de ne pas faire. N'appuyez pas trop fort, non. Voilà, c'est mieux. Non, c'est pas mieux du tout. Eh bien, j'ai perdu la main, j'ai perdu la voix, j'ai perdu la main. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la Stazone. Je ne suis pas très à l'aise avec la Stazone. Voilà. C'est parfait. On va découper. Donc, on peut découper au massicot ou avec un dice ou à la main. Hein. C'est bien aussi, des fois, de faire des étiquettes à la main. Il n'y a rien de tel que nos ciseaux. Déjà, ils coupent bien. Donc c'est un peu un régal. Hop, regardez, à l'ancienne.
Quand on avait moins de matériel. Hop. On coulait comme ça. On encadrait. Et on découpait. Et c'était parfait. Alors, j'avoue que moi, jamais c'était parfait, mais je vis avec. Je sais pas, je dois avoir un truc dans l'œil où je fais jamais droit, mais voilà. Et je vais le mettre ici, mon petit Hakuna Matata. Et je vais le mettre en relief avec une petite mousse 3D que j'adore. Donc j'espère que ce petit live, ce retour du salon, la petite carte avec les petits dinos. Bon, je sais vraiment pas ce que j'ai fait des découpes, hein, mais je vais les retrouver. Je t'ai persuadée qu'elles étaient dans la boîte rangées comme il faut. Bon. Des choses qui arrivent. Il n'y a plus grave, hein, hein. Me direz-vous, il n'y a plus grave dans la vie. Allez, combien elle fait ma carte? Elle fait 13. 13 par 9,5. Donc, hop. Je vais faire un fond de carte. Je change la lame parce que je fais n'importe quoi et vous le voyez pas, vous me le dites pas. Allez, c'est pas grave. On a dit 13, donc on va faire 14. Et on va plier. Voilà, ça sera une ouverture toute particulière pour cette carte. Voilà. On n'a pas l'habitude d'en faire des comme ça. On l'ouvrira comme ça. Merci Claudine. Merci Cathy. Et voilà, je vais la poser donc sur mon fond de carte. Peut-être que je mettrai des arbres. Peut-être que j'en mettrai des feuillages. Peut-être que j'en mettrai pas. Et vous voyez, deux cartes, deux colorisations différentes, deux modèles différents. Là, vraiment, les ombrages, je trouve que ça donne encore plus de profondeur. Et du fait d'avoir les ombrages, elles nécessitent pas forcément de mettre des feuillages sur les branches, là. Voilà. Qu'en dites-vous? C'est assez sympa. Faut prendre le temps, vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup, j'ai utilisé 3 gouttes d'encre. J'ai pris, bien sûr, j'ai pris mes Incolor que j'adore et qui vont me manquer, les Soyeuses Succulentes et Épinettes Enivrantes, mais on a d'autres verts. J'avais mis quand même un peu de Perruche de Parade pour pepser et mettre du vert un peu frais, un peu tendre. Quand il a plu dans la savane, l'herbe est verte, rayonnante. Et après, juste le gris ardoise bourgeoise. Et on arrive à faire un dégradé dans les gris, plus ou moins. Vous voyez, on laisse de la lumière en laissant le blanc. Et pourtant, on a bien la sensation que le rhino, il est bien gris. Hein. Même sur celui-ci où j'en ai mis encore moins, on voit bien qu'il est gris. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais... Attendez, j'enlève mon pot d'eau parce que j'ai pas envie de faire de bêtises avec l'ordinateur. Faire l'aquarelle à l'ordinateur, c'est toujours un peu compliqué. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais ravie de vous retrouver. J'étais ravie de vous voir ce week-end. Je vous remercie tous ceux qui ont pu passer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à mettre un commentaire. Et puis, je serai donc sur Paris le 15... le 15 avril, donc je serai en transit, alors mais si vous me prévenez, j'arrive le vendredi, après on sera en journée de rencontre de lignée, si vous avez envie de rentrer dans notre équipe, c'est avec plaisir, et les Stampin' Right
Effectivement, Cathy, ce sont les feutres à l'eau qui sont coordonnées. Bien sûr qu'on peut les aquareller. Alors, quand on colorise avec sur le papier aquarelle, on n'arrive pas à faire ce que peut-être tu imagines. Je peux faire un essai, mais je n'ai jamais testé. Mais par contre, si on les met sur un bloc transparent, vous pouvez les prendre comme l'encre là. Mais je pense pas qu'il soit. Je vais en attraper. Je pense pas qu'il soit. C'est cela. Je pense pas qu'il soit aquarellable comme vous l'imaginez avec. Si on colorie avec. Et après qu'on met de l'eau. On va pas pouvoir par exemple faire il va se diluer, mais vous voyez, ça va pas faire ce que vous pensiez, faire un joli aplat. Mais par contre, si je le mets ici, je vais prendre la couleur et je vais pouvoir aquareller la couleur. C'est tout ce que je pense, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas faire de la colorisation, vous voyez, on voit toujours le trait au milieu de là où j'ai écrit. Voilà. Mais ils sont aquarellables. Alors par contre, de mémoire, bon, je sais plus si je colorise avec et après je. Ils sont plus sympas si on les met sur le papier Bristol blanc et quand on prend les feutres à estompes, on va diluer, mais pas sûr que ça soit bien intéressant et que ça donne un beau rendu. Une fois que l'encre est posée, elle sèche assez rapidement et ça donne pas un super rendu. C'est juste s'il vous manque l'encre. Et ce qui est le top avec cela, c'est qu'on peut coloriser ces tampons. Oui, voilà, on peut les coloriser, on peut mettre de l'eau, on peut. Mais faire, je vois ce que vous voulez faire avec. C'est pas trop possible. J'ai déjà vu des beaux feutres aquarellables où les gens commencent à coloriser et puis d'un coup ils prennent leur pinceau, ils mouillent et l'aquarelle se diffuse et c'est très très joli, mais pas avec cela. Ils ont pas cette. Ou je sais pas le faire. Ou si, c'est possible, hein. Il y a des choses comme ça que je sais pas faire. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. S'il y en a qui passent par là, si vous êtes en replay, mettez-moi un petit mot. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi comme d'habitude à 13h30. Je ne sais pas du tout, ça sera Pâques, on n'aura pas ces Pâques, donc je ne sais pas du tout ce que j'ai prévu comme projet. Je vous avoue que le salon m'a pris toute mon énergie et toutes mes créations, mais d'ici là, j'aurai eu le temps de me poser et de réfléchir à des merveilles que vous allez adorer. Si vous avez des suggestions de techniques, d'envie, comme là, Cathy qui nous demande comment on se sert d'un feutre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de le réaliser pour vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. It's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of.